ça ici. N'oubliez pas, si ça doit rester au frais, vous pouvez utiliser le frigidaire qui est là. Le mois de mars, c'est le mois qui souligne la nutrition. Donc, à l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, on réalise différentes activités parce que notre objectif est de souligner le rôle que les nutritionnistes peuvent avoir au sein de la population. Le thème qui a été choisi cette année, c'est « Bien manger de 9 à 5 ». Donc, on traite de s'alimenter sur les lieux de travail. C'est l'endroit où souvent les gens consomment la majorité de leur repas, mais passent aussi le plus de temps dans une semaine. Donc, on sait l'importance que ça a pour avoir une alimentation de qualité. Cette année, l'Ordre professionnel des diététistes du Québec a décidé d'inaugurer un nouvel événement dans le but de souligner ce thème, qui est le combat des futurs chefs. Donc, l'Ordre s'est allié à l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, qui forme des futurs chefs qui vont travailler sur le marché. Donc, on avait envie de démontrer avec ce projet-là que c'était possible de développer des recettes que les gens se pouvaient préparer à la maison, qui étaient simples, mais qui alliaient aussi le plaisir, la variété, l'équilibre et aussi des critères de qualité nutritionnelle. Kéfir, de lin, mangue, ananas.
Le respect du guide, la collation, protéines, glucides, la diversité de légumes, etc. Bravo pour ça. Puis honnêtement, si tu avais eu l'autre collation, c'est parce que tu es très forte côté nutrition. Sinon, je pense que tu serais classé très bien côté nutrition. Tu as recueilli plus de points. T'es très bien. Oui. Oui, là, moi, là, tu m'as fait 3 home runs. Les 3 premiers, c'était super bon. J'adorais ça. C'était bien balancé, l'assaisonnement. Le gros, la moyenne de nos chiffres ensemble. Mais regarde, vas-y avec la grande gagnante. Regarde la grande gagnante, c'est bon. Chloé. Bravo. Chloé. Fourni généreusement l'ensemble de couteaux que j'espère pourra te servir à ta carrière qui s'avance. Il est content d'avoir la mienne aujourd'hui. Les portes viennent de se rouvrir aujourd'hui, c'est seulement que le début. Ben, merci beaucoup. L'expérience était magnifique parce que vraiment, c'était le but principal de l'activité, l'événement aujourd'hui, c'était de rouvrir les yeux à mes élèves, de nouveaux produits, de nouveaux ingrédients. Et puis, je pense qu'ils ont beaucoup appris de cette expérience. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très stimulant, les idées que les futurs chefs nous donnent pour être en mesure de faire des gros plats, des mets qui sont appétissants, qui répondent à des critères en nutrition, qui respectent le guide alimentaire canadien. Puis, ça a été vraiment une super belle expérience de travailler avec elle. Mais je pense que la clé, c'était de garder ça simple. J'ai essayé de garder ça le plus simple possible. Je suis pas aussi avancée, en fait, dans mon processus scolaire que les 3 autres filles. Puis, honnêtement, j'ai pas cru que j'étais de la compétition. Fait que je me suis dit, je vais juste pas me casser la tête puis aller simplement. Fait que des bonnes choses. Ça a payé, je pense. Bravo. Merci. Merci.
Qu'est-ce que vous en pensez de juger, parce que c'est une période d'apprentissage souvent pour ces jeunes-là qui sont en cuisine. C'est un volet, faut qu'ils le prennent aussi très constructif. C'est ça qui je retiens. C'est rare qu'on juge des gens comme ça quand c'est dans nos restaurants, c'est on peut être plus difficile. Quand tu juges des gens qui n'ont pas nécessairement l'expérience, on doit comparer des plats, c'est là que ça devient plus rough. Mais hyper payant pour eux, parce qu'en bowling, ils peuvent s'ajuster, puis c'est complètement différent, nutritionnel, goût, etc. Mais ça leur permet aussi d'avancer, de développer leur esprit critique, parce que c'est sûr que quand tu arrives dans un restaurant, l'esprit critique, tu l'as dans la face. Mm-hmm. Et ici, c'est de donner leur juste, puis de les envoyer sur des bonnes bases. C'est à peu près ça. Dans l'ensemble, côté nutrition, c'était excellent. Je suis vraiment fière d'elle. Je suis allée les voir avant en cuisine. Vraiment, chapeau à l'ensemble des candidates parce que je trouve qu'ils ont de l'avenir. Puis c'est les chefs, les nutritionnistes devraient travailler de plus en plus ensemble parce qu'on peut arriver à vraiment bien nourrir le Québec en travaillant de pair. Très